Il y a deux personnes que nous sommes allées rencontrer et on leur a demandé, parce qu'ils vous connaissent bien, l'un et l'autre, de croiser leur regard sur vous. Tout d'abord, c'est Manuel Valls. Oh, c'est vrai mmh. Oui. Alors, homme de gauche, mmh. mais, mais qui, qui vous apprécie, qui a de l'estime pour vous. Et puis, le philosophe Luc Ferry. Pour bon, moi, Jeannette Bougrabe représente le, le courage. C'est le vrai courage intellectuel. Vous savez, le vrai courage intellectuel, c'est le courage de, de, de prendre aussi des risques qui vont jusqu'au risque physique. C'est une politique ou une passionnariat euh, Passionnariat, mais au bon sens du terme, alors parce que parfois, il y a un côté, au fond, euh, pris de passion, on ne réfléchit pas. Non, non. Euh, euh... C'est une républicaine, c'est ça qui nous a euh, rapprochés. C'est une juriste d'abord, et ensuite une intellectuelle engagée, engagée à la fois dans un féminisme intelligent républicain. Elle avait été plutôt enrôlée par la droite. Euh, je dirais ni à gauche ni à droite, comme moi d'ailleurs, mais dans l'idée républicaine. Mais ces notions sont peut-être parfois un peu dépassées, et nous considérons, elle comme moi, que la République, euh, c'est quelque chose qui doit tout transcender, et qu'il faut être extrêmement fort face à, à la montée de l'islam politique de l'islamisme, est-ce qu'elle n'est pas trop radicale? Non, elle est très honnête, c'est surtout ça. C'est plutôt nous qui sommes mous et mollassons. C'est plutôt les idiots utiles de l'islamo-gauchiste qui sont euh, qui sont euh, euh, voilà qui, qui sont dans la, dans la mollesse et dans le politiquement correct. Non, elle n'est pas radicale, simplement elle dit la vérité. Il y a une forme d'intransigeance chez elle. Parfois, on pourrait lui dire euh, doucement, attention, telle prise de position, c'est pas bien pour ta carrière politique, mais voilà. C'est une petite lame d'acier. <laughs> il y a vraiment quelque chose chez elle de, comme ça, comme un petit ressort d'acier. Comme un, voilà, elle ne cède absolument sur rien. Elle a du caractère dans des époques qui sont trop aseptisées. On a besoin de de caractère fort. Si vous deviez lui reconnaître un seul défaut, elle a un petit côté peut-être un peu sombre. C'est pas du champagne, c'est pas pétillant, c'est pas léger, c'est pas superficiel. Il y a une force en elle, mais il y a ses propres Blessures, il y a ces fragilités, mais ce qui fait que c'est un, un, un être humain. Qu'est-ce qui l'anime Est-ce que c'est un désir de revanche Non, certainement pas. n'est pas quelqu'un de revanchard ni dans le dans le ressentiment. C'est vraiment quelqu'un qui est, euh, j'allais dire, presque naïvement dans le combat pour la liberté. Oui, c'est euh, quelqu'un de vraiment bien. <laughs> c'est tout bête, ça existe.